guinéehitsmusic.com. Bonsoir Yanni. Bonsoir mon frère. Bienvenue sur Guinée Music. Yanni Alpha est parrain d'une émission scénique Turn Up sur scène. Ça fait quoi tout ça? C'est un honneur, c'est un honneur. À partir du moment où il s'agit de rap, il s'agit de jeunes qui entreprennent, il s'agit de jeunes qui essayent de se battre. Si on nous associe, c'est toujours un honneur pour nous, parce que c'est le résumé de notre combat, ça. Yanni a sorti son album le 28 octobre, et tu as essayé de fériériser, comme tu l'as dit, cette date-là. Après, t'es resté sur les lèvres de tout le monde. Comment tu vis tout ça, la presse, Sicario, Schizophrénie? Il n'y a pas d'après Sicario, on est toujours dans Sicario. L'album est sorti, il est sur le marché maintenant. Il est disponible en vente physique et il est disponible en vente digitale. Et on est en train de continuer le travail, on continue de faire des scènes. La dernière fois, on était au Centre culturel franco-guinéen. Et puis, on continue de pousser l'album. D'accord, nous, ça nous fait vraiment plaisir de t'avoir. Déjà, que tu crées de la sensation dans ce milieu RAP. Quoiqu'avant, ça l'a été avec le premier et le deuxième. Mais aujourd'hui, ça fait beaucoup plus de buzz. C'est quoi la particularité de cet album-là par rapport aux deux autres? Bon, je pense déjà d'abord, c'est l'expérience, les années que ça nous a appris. Le premier album, il est sorti en 2012, le dernier album, il est sorti en 2018, donc c'est 6 ans plus tard. Et avec l'équipe, toute l'équipe, on a pris de l'expérience, on a appris des choses, et je pense que c'est la synthèse de tout ça qui a donné le résultat escompté. Yanni Alpha, avant de te lâcher, un mot pour Guinée de Music rapidement. Guinée Hit Music, le portail de la musique guinéenne, toi-même tu sais, on est ensemble. guinéehitsmusic.com.